Donc, géopolitique du Moyen-Orient, un Eugordien, vous remarquez tout de suite le point d'interrogation, évidemment, et une précision sur ce terme de Moyen-Orient que j'utilise. En fait, j'ai regroupé sous la même étiquette de Moyen-Orient ce que les géographes et les politiciens dédoublent en deux morceaux, un proche Orient qui va de la Turquie jusqu'à l'Égypte en passant par le Liban et Israël, et d'un autre côté, un Moyen-Orient. Donc j'ai intégré, si vous voulez, la côte pour prendre la totalité des problèmes que l'on va aborder ce soir. Un Eugordien, vous connaissez la légende, un nœud absolument indénouable, qui est d'ailleurs, avait une extrémité qui avait fusionné avec l'autre, donc il n'était pas question de pouvoir défaire ce nœud. On ne trouvait pas, Alexandre va s'obstiner à essayer de trouver le début du câble pour défaire le nœud, n'y parvenant pas, comme il y a quand même à la clé la maîtrise de l'Asie, hein, la contrainte du pouvoir sur l'ensemble de l'Asie, il prend son épée et il tranche le nœud. C'est un peu ce que les États-Unis ont essayé de faire depuis les années 80, depuis le début de l'affrontement dans ces eaux, dans ces régions, à propos de cette obsession qu'ils avaient pendant la guerre froide de l'avancée de l'URSS, à l'époque, vers les eaux chaudes, vers l'océan Indien. Et donc, ça va commencer leur intervention par un soutien aux talibans qui se battent contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Ils ont, à partir de là, armé un démon qu'ils vont plus véritablement maîtriser. Et à partir de ce moment-là, tout ce à quoi on assiste depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est la tentative de trancher, comme Alexandre, de taper dans le vif de ce Moyen-Orient et d'essayer de résoudre le problème. En réalité, chaque fois qu'il tape, chaque fois qu'il coupe, chaque fois qu'il bombarde, ça élargit le problème et ça aggrave la situation. J'ai voulu aussi aborder le problème d'une façon non conventionnelle. Si vous écoutez la radio, si vous suivez la télévision, vous êtes informé sur tout ce qui se passe au jour le jour du conflit, la poche d'Idlib, les affrontements à l'ONU entre Trump et Rouhani, etc. Et j'ai voulu ici aborder un point qui me semble trop souvent négligé dans les approches, et qui sont les pesanteurs que l'on va rencontrer à chaque fois si l'on veut essayer de proposer une solution vraisemblable, possible en tout cas, de cette situation du Proche-Orient. Premier problème, c'est de prendre bien en compte qu'on a affaire à un environnement contraignant, dont la clé est le problème de l'approvisionnement en eau. Ce Moyen-Orient, au sens large, tel que je l'ai présenté, est quelque chose qui est sous une contrainte forte, qui est celle de l'approvisionnement en eau, non seulement pour l'agriculture, mais pour toutes les populations, y compris tout bêtement l'alimentation de l'eau potable dans les villes. Donc une contrainte ici qui est très forte, qui a suscité des conflictualités, je ne dis pas des conflits, hein, il n'y a pas eu de guerre, mais des conflictualités qui sont très fortes autour de ce problème. Le deuxième élément, c'est un effet de cette contrainte sur l'eau, le clivage nomade sédentaire que nous, évidemment, on ne connaît pas, mais vu l'importance des zones désertiques que l'on a dans ces régions, le mode de vie nomade, pastoral généralement, est quelque chose d'extrêmement important. Cette problématique des nomades est quelque chose d'important parce que ça a engendré une structure anthropologique qui est importante, qui est le rôle des tribus et dans l'organisation politique de ce Proche-Orient, faire l'impasse sur le rôle des tribus et de son organisation, c'est se condamner à ne rien comprendre à ce qui se passe sur les territoires. Troisième élément, c'est de voir que l'expression contemporaine, c'est plus nomade et sédentaire, mais qu'il y a un autre élément qui le redouble, qui n'a pas fait disparaître l'autre élément, mais qui redouble d'une nouvelle contradiction, l'opposition entre les villes et les campagnes. Est-ce qu'il faut approvisionner prioritairement les villes et l'activité industrielle, en menaçant évidemment les problèmes du développement agricole, ou est-ce qu'on doit garder un équilibre, et lequel ? Dans la mesure où cette urbanisation
du Moyen-Orient a été d'une rapidité absolument époustouflante. Enfin, le troisième, dernier élément que je prendrai, c'est une mise en tension de tous ces problèmes de l'environnement à travers la crise climatique que l'on traverse, qui vient de se démarrer très fortement et où le réchauffement climatique, c'est plus une question, c'est plus un point d'interrogation, c'est une certitude, et une certitude avec des augmentations de température que l'on aura, qui vont se traduire par une réduction des précipitations, des difficultés de plus en plus grandes dans cet espace qui est déjà extrêmement péjorant pour la présence humaine. Alors voilà, sur cette carte, quelque chose qui va vous montrer les précipitations annuelles au Proche-Orient. Vous voyez que tout ce qui est jaune clair et jaune un peu plus foncé, c'est quelque chose qui reçoit moins de 200 mm d'eau, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'agriculture pérenne en dehors de situations d'oasis. Si on a une source, un approvisionnement d'eau, on peut faire des cultures, mais c'est quelque chose de très ponctuel, sinon on ne peut pas. Et vous voyez, quand vous suivez cette ligne, qu'en dehors du littoral méditerranéen du nord d'Israël, du Liban et ensuite de la zone sud de la Turquie, dans la poche d'Antalya, vous avez quelque chose, d'Alexandrette, pardon, vous avez quelque chose qui est extrêmement sec et qui remonte le jaune clair jusque sur le territoire de la Jordanie, le jaune un peu plus foncé jusque sur une moitié de la Syrie. La Mésopotamie, dont on sait qu'elle a été le foyer d'émergence de la civilisation quelque part au 7e millénaire avant notre ère, est dans une zone d'aridité totale. Ce qui veut dire que cette image que l'on a d'une Mésopotamie irriguée, développée, etc., c'est à repréciser dans un contexte très étroit de la fin de la glaciation, où les précipitations, les écoulements fluviaux étaient beaucoup plus abondants et ont pu permettre le développement de techniques d'irrigation à partir des fleuves, exactement comme en Égypte, mais qu'à l'heure actuelle, avec l'assèchement progressif du climat, cette Mésopotamie devient de plus en plus difficile à mettre en valeur et à cultiver. Les seules zones qui reçoivent un peu d'eau, et vous voyez que c'est pas grand-chose, c'est quand vous avez du vert et du bleu à partir de 400 mm. 400 mm, c'est pas beaucoup pour faire de l'agriculture, mais en gros, une culture céréalière extensive en sec, c'est possible à partir de là. Et vous voyez qu'il n'y a que les montagnes, le Zagros, le Taurus, etc., dans le secteur, l'Elbourg, pour ce qui concerne l'Iran, qui sont un peu des châteaux d'eau, mais très limités en termes de capacité de fourniture pour le... Alors, j'ai repris cet exemple du lac Urmia, puisque j'étais avec des amis en Iran au mois d'avril, et ce lac Urmia, que vous voyez sur la première photo, est quelque chose qui est en train de... Voilà, est quelque chose qui est en train de disparaître, en train de mourir, exactement comme la mer d'Aral. Vous l'avez là, dans le début des années 80, voilà ce qu'il en reste maintenant, et sur la petite carte à côté, ce que l'on a en 2014, c'est l'espèce de petite flaque bleuâtre qui reste, tout le reste a disparu. Alors pourquoi ça m'a interpellé quand on était en Iran, c'est qu'il y a un gros débat pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce lac. Et le gouvernement avait proposé une solution toute bête, on va acheter de l'eau à la Turquie, on va prélever de l'eau sur le lac Van et on va le dérouter pour l'amener dans la cuvette du lac Urmia, pour le remettre en eau. Et quand on y était, il y avait une protestation massive des scientifiques disant « c'est une ineptie, on va faire rentrer dans le lac des particules, des individus, algues, micro-organismes, etc., qui ne sont pas adaptés à ce milieu, ça va changer complètement l'écosystème initial, on va jouer avec le feu, on ne sait pas ce qui va se passer ». Et donc, ils étaient vent debout contre cette idée d'acheter de l'eau pour regarnir le lac Urmia, et leur prise de position était très ferme. Il faut changer les méthodes de culture, de l'agriculture, la consommation urbaine, où on a un gaspillage absolument effréné. Pensez qu'en Iran, à l'heure actuelle, la consommation d'eau par personne est de l'ordre de 50% supérieure à la consommation des Français. Hein ? Donc, vous imaginez les gâchis qu'il peut y avoir en eau. Et donc les scientifiques disaient non,
on ne touche pas, on ne ramène pas de l'eau d'ailleurs, mais on règle le problème des détournements d'eau au bénéfice de l'agriculture, de l'évaporation, du gaspillage d'eau dans les villes, pour avoir quelque chose qui soit une remontée du niveau du lac Urmia, mais sur la base de son propre écosystème. Où on voit les conflits à travers l'aménagement des grands fleuves, c'est-à-dire les barrages. Vous voyez au départ un arc verdâtre tout à fait au nord, avec 88%. Ça, c'est la part sur les têtes de fleuves, dans les montagnes, que prélève la Turquie sur l'ensemble des écoulements fluviaux. Auparavant, le fleuve, il a sa source dans les montagnes, les eaux s'écoulent et vont jusqu'à la mer. À partir du moment où on a commencé à faire des grands barrages là-dessus, au départ, les Turcs ont dit, 1975, ce sont que des grands barrages pour faire de l'hydroélectricité. Donc a priori, ça n'a pas d'impact sur l'écoulement du fleuve, puisqu'une fois que le barrage est plein, l'eau circule dans la quantité où elle arrive. Et puis, vu les problèmes qu'ils ont avec les Kurdes dans cette région du sud-est turc, ils ont dit ben, on va essayer de mettre en place un plan de développement régional en développant l'irrigation. Et du coup, ils ont prélevé dans les barrages de l'eau pour développer leur irrigation. Mais cette eau, du coup, n'est plus partie vers l'aval. Les Syriens ont fait la même chose avec un barrage dont vous avez entendu parler, puisqu'à un moment donné, il est tombé aux mains de Daesh, qu'on avait très peur que Daesh, en partant, fasse sauter le barrage et noie le bas de la vallée de l'Euphrate. Donc, c'est le barrage que vous avez à mi-course de l'Euphrate et qui, lui aussi, est destiné à faire de l'irrigation. Le résultat, c'est que l'Euphrate arrive finalement à l'intérieur de l'Irak. Il n'y a plus d'eau dans le fleuve. En conséquence de cette pénurie d'eau, c'est un peu la même chose, en moins fort, en moins accentué sur le Tigre, mais c'est à peu près du même ordre. Toute la zone verte que vous voyez au sud, qui est une zone peuplée essentiellement d'une population chiite, c'est ce que dit le vert, mais vous voyez qu'il y a des espèces de petites plantes vertes qui sont poussées. Cette zone était une zone où les inondations se répandaient dans des vastes zones de marécage, qui étaient un écosystème extrêmement riche, notamment pour les oiseaux migrateurs, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ces marécages n'étant plus approvisionnés, se sont desséchés, les plantes sont mortes, le sable n'est plus retenu, et non seulement le sable, mais le sel. Et comme les vents dominants dans ce secteur sont, comme dans cette partie de l'hémisphère nord, des vents à dominante ouest, ça arrose une partie de l'Iran de sel, de sable, etc., dans la région où il vient d'y avoir cet attentat, la région de la Oise, qui est peuplée essentiellement par des populations arabes. Donc vous voyez quelque chose qui fait que quand vous voyez des étoiles rouges, c'est des conflictualités internes. Quand vous voyez des étoiles violettes, ce sont des conflits qui se sont développés, qui ont été relativement vite stoppés. Mais on ne parvient pas à l'heure actuelle à tomber sur une vision commune, collective, de l'utilisation de ces ressources en eau. C'est chacun pour soi. Évidemment, celui qui est le plus avantagé, c'est celui qui est le plus en amont, c'est-à-dire la Turquie. Deuxième grand thème, après ce problème de la sécheresse, les problèmes de population. Alors, ces problèmes de population, vous avez des carrés qui sont à peu près proportionnels à la taille des pays. Les valeurs qu'on trouve peuvent varier beaucoup. L'Arabie Saoudite, 28 millions, j'en ai trouvé 33 sur une autre source. Donc c'est quelque chose d'assez approximatif, enfin, c'est un nombre de grandeur. Voyez que les trois grands piliers, c'est l'Iran, la Turquie et l'Égypte, qui dépassent les 80 millions d'habitants. Donc ça, c'est les gros piliers. Ensuite, on a l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Yémen. Et puis, on a des petits croupions, hein, le Liban, Israël, la Jordanie, les États du Golfe, le Koweït, Bahreïn, etc. Donc, quelque chose où, quand il n'y a pas de chiffres, c'est qu'il y a moins de 3 millions d'habitants au total dans les pays. Ces populations sont des populations actuelles. Or, elles traduisent une augmentation de population absolument phénoménale. En un peu plus d'un demi-siècle, je vais vous en donner quelques exemples, les populations en 1950. Donc l'Égypte a 21 millions d'habitants, vous voyez qu'elle en est aujourd'hui à 92. Elle a quadruplé sa population en deux générations, de 50 à 2015, deux générations en gros, elle a quadruplé sa population. Pour ce qui concerne la Turquie, elle en avait 21 millions
81 millions, 82 millions aujourd'hui. Elle a aussi quadruplé sa population dans le même laps de temps. Pour ce qui concerne l'Irak, c'est encore pire. 5 millions d'habitants, on passe à 39, presque 40. Elle a été multipliée par 6 en deux générations. Enfin, l'Iran, c'est à peu près du même ordre. 16 millions d'habitants en 1950, 82 aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi, avec des augmentations aussi rapides, aussi intenses de population, dans un environnement qui était déjà en déséquilibre du point de vue de l'approvisionnement hydrique, comment ce gonflement des populations dans cette région aggrave à la fois le prélèvement, mais aussi les désertifications qui sont la conséquence de ces prélèvements. Dans les années 80-90, on était persuadé, les démographes étaient persuadés que le Moyen-Orient avait entamé sa transition démographique. Alors, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est la chute de la natalité, la chute de la mortalité, on passe par un gonflement de population, puis peu à peu on retrouve un palier plus bas avec un équilibre relatif entre la natalité et la mortalité. Ben pas du tout. Depuis 2000, on est en train, alors qu'on croyait le problème à peu près réglé, on est en train d'assister à une remontée très forte de la natalité, alors que la mortalité, elle, continue à baisser. Évidemment, on pense aux guerres, on pense aux conflits, etc. Mais globalement, sur l'ensemble de la région, la transition démographique n'est pas achevée. On est dans quelque chose qui est une exceptionnalité à l'échelle de la planète. Il n'y a que quelques États africains, de l'Est africain, qui connaissent ce genre de choses, mais c'est quelque chose de très particulier à cette région. Pour l'Arabie Saoudite, je vous ai dit à peu près un tiers, vraisemblablement, de population immigrée, mais ça peut monter jusqu'à 88% dans les Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire que la population des Émirats, c'est essentiellement une population étrangère qui vient travailler sur les pétroles, etc. Le résultat, c'est que ces pays qui veulent avoir une armée nationale, ben, ils n'en ont pas les moyens. Dans les Émirats, il y a une légion étrangère qui est formée par des mercenaires. Les Émirats Arabes Unis arrivent à une force armée de 20 000 personnes et ils ont une armée de mercenaires de 25 000 personnes pour mettre en œuvre des équipements militaires. Alors ils sont surarmés, suréquipés, etc. Mais voyez le problème que ça pose, y compris pour l'Arabie Saoudite. Si on prend le cas du Yémen, les seules forces qui sont au sol, ce sont des Émiratis. Les Saoudiens se contentent d'envoyer des bombes depuis leurs avions, mais ils n'interviennent pas au sol. Le résultat, c'est que la guerre dure pourrie, sans véritablement de perspective voir un groupe l'emporter plutôt qu'un autre. Sur la population israélienne, qui est de l'ordre de 8 millions d'habitants, il y en a 2 millions qui sont nés à l'extérieur du pays, donc qui sont, si vous voulez, des immigrés de plusieurs générations d'âge, mais qui viennent d'arriver, qui sont nés ailleurs. Et sur ces 2 millions, ce qui est important, c'est qu'il y en a 1 million qui sont en provenance de Russie. Donc ça, c'est par aspiration, tout ce qui vient, mais aussi par expulsion. Les guerres, que ce soit des guerres étrangères ou les guerres civiles qui se développent dans les pays, sont quelque chose qui ont chassé des populations. Le point de départ, c'est évidemment 49, avec l'expulsion des Palestiniens au moment de l'extension de la superficie contrôlée par Israël. Et le deuxième point, c'est évidemment les guerres civiles que vous avez à l'heure actuelle, le cas de la Syrie est le plus récent. Donc voyez, entre 49, expulsion des Palestiniens, 2015, 2016, 2018, expulsion d'une partie de la population syrienne, on est dans une situation où les guerres civiles, les conflits, ce Proche-Orient est véritablement quelque chose qui est en ébullition. Pensez que sur une population syrienne qui était estimée à 26 millions d'habitants avant le déclenchement du conflit en 2012, il en reste vraisemblablement 13 millions à peu près, je dis bien à peu près, à l'endroit où ils étaient au moment du début du conflit. C'est-à-dire toute la moitié extrême ouest de la Syrie n'a pas été vraiment touchée ni par Daesh ni par les mouvements. Très vite, le pouvoir a repris le contrôle du secteur.
Mais ensuite, à l'intérieur du reste de la Syrie, on a 6 millions, 7 millions de personnes qui sont déplacées, qui ont dû quitter leur région et qui se sont rapatriées, soit dans des zones tenues par les djihadistes, soit dans des zones tenues par le gouvernement, et à peu près 6 à 7 millions de personnes à l'extérieur, dont pratiquement la moitié en Turquie. Voilà une première carte qui vous montre l'état des réfugiés palestiniens, donc avec les camps, donc d'une part que l'on a toute la population bloquée à l'intérieur de Gaza, la population en Cisjordanie, mais aussi des populations qui sont parties en Syrie, en Jordanie, au Liban, etc., où l'on a ces camps de réfugiés. Et comment penser qu'après 1949, il allait y avoir la possibilité d'avoir un traité de paix, de voir Israël revenir dans les clous qui lui avaient été imposés par la déclaration de création de l'ONU, mais où ils avaient comme argument, mais attendez, c'est nous qui avons été attaqués, on s'est défendu, donc on a conquis des terrains, il n'est pas question qu'on revienne sur les trois confettis qu'on avait au départ. On veut rétablir l'unité complète, d'autant que les voisins, la Jordanie, s'étaient empressés de s'emparer des territoires de la Cisjordanie pour la mettre sous son contrôle. Donc les Palestiniens exitent là-dedans. Mais comment penser qu'ils allaient pouvoir revenir rapidement? On leur a interdit de travailler. C'était la condition, on les a laissés dans des camps. Alors les camps de provisoire sont devenus de véritables quartiers, de construction en dur, etc. Une partie des quartiers d'Amman en Jordanie sont des quartiers, on vous dit, c'est un camp palestinien. Vous voyez des immeubles, vous voyez des villas, comme vous venez de les voir, un kilomètre avant, dans le centre de Hama. Donc, on les a clochardisés, en leur interdisant, en fait, de s'intégrer dans les pays où ils étaient, puisqu'il y avait toujours ce rêve du retour, et d'un autre côté, en les faisant vivre de ces dotations. Alors, il y en a qui ont craqué, qui sont partis un peu plus loin, se faire voir aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Mais vous voyez comment on est dans quelque chose qui a enquisté la situation des Palestiniens depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie. Alors, vous voyez, les déplacés à l'intérieur du pays, 7 millions 6, c'est le gros rond rouge que vous avez. Les petits bonhommes qui sont représentés sur la carte, c'est les quantités de population qui ont été déplacées à l'intérieur des pays, soit pour aller sur une zone proche, soit pour se rapatrier sur la partie ouest du territoire. Et vous voyez que c'est surtout la zone du littoral et la zone nord, juste en dessous de Syria, qui est concernée. C'est la zone qui est arrosée, hein. C'est pas le désert qui est dans la partie où est installé le gros rond rouge que vous avez. Le Liban accueille à l'heure actuelle presque un demi-million de Palestiniens, et pas tout à fait 1,5 million de Syriens. La Jordanie, 1,6 million Palestiniens, 1,3 million Syriens. N'oubliez pas que pour la Jordanie, on est dans 6 millions d'habitants. Vous voyez qu'on en a presque la moitié de la population des pays qui est constituée par des réfugiés. Ensuite, la Turquie se retrouve avec pratiquement la moitié des émigrés, des exilés syriens sur leur propre territoire. Dernier élément à prendre en compte, c'est la gestion de l'héritage des impérialismes. Alors, le point dont il faut partir, c'est comment l'Empire ottoman avait géré tous ces territoires. La logique de l'Empire, c'est complètement différent des logiques auxquelles nous sommes habitués d'un État unitaire et centralisateur. La logique impériale, c'est vous payez des impôts, vous payez des taxes, etc. On prélève éventuellement des corps pour des garnisons, des mercenaires, pensez aux janissaires par exemple, chrétiens enlevés, formés pour devenir des unités d'élite combattantes, et finalement, en dehors de ça, l'interventionnisme est très faible. Vous êtes kurde, démerdez-vous avec vos tribunaux kurdes. Vous êtes yazidi, faites votre religion comme vous voulez, n'enquiquinez pas le monde, n'allez pas déborder ailleurs, etc. C'est-à-dire que le système de domination impériale est un système qui a intérêt à voir se développer des systèmes de communautés et de leur laisser, de leur déléguer en quelque sorte les éléments de justice, de police, etc., que ne veut pas assumer l'État centralisateur en dehors de la fiscalité. Or,
Quand, à la fin de la guerre de 14-18, l'Empire ottoman a fait le mauvais choix, il s'est mis du côté de l'Allemagne et des empires centraux. Il est donc dans le camp des vaincus. Les vainqueurs vont donc s'occuper de l'Empire ottoman et vont le découper. Et ils vont le découper selon quel module, quelle vision? D'abord, une vision économique. Pas question d'aller partager. Laurence d'Arabie, il a raconté des choses aux Arabes pour qu'ils se révoltent contre les Turcs, mais c'est Laurence d'Arabie, on n'est pas engagé dans ça. France et Grande-Bretagne tracent un grand trait sur la carte, la ligne Sykes-Picot en 1916, et disent au nord, c'est la France, au sud, c'est pour les Britanniques. Basta, les populations locales n'ont rien à voir. Et une fois que ce partage va être organisé, à partir de 1918, dans les traités qui vont mettre fin à la Première Guerre mondiale, on va avoir toute une série de remaniements jusqu'en 1923, parce que les Turcs n'acceptent pas leur situation, les Turcs et les Grecs se battent, les Turcs chassent les Grecs, il va y avoir un grand échange de population à ce moment-là, et le grand royaume arabe dont avaient rêvé les Arabes sur les instructions de Lawrence, ça passe pas, on va découper, les Saoudiens ont pris le pouvoir à Médine, il faut fournir aux Hachémites des localisations, alors on va leur créer deux royaumes différents, la Jordanie et l'Irak, pour recaser la dynastie Hachémite. Bref, on impose un système avec des frontières bien délimitées et une conception de l'État-nation, une capitale, un pouvoir centralisé, une armée, etc., qui contrevient complètement à la façon dont ça allait fonctionner. Résultat, des émeutes, des révoltes de partout. Les Druzes, par exemple, en 1915, contre l'occupation française de la Syrie. Donc, quelque chose, si vous voulez, qui est cette idée de tracer des frontières, mais qui, dans un espace, comme l'espace occupé par les nomades, met à mal les conditions mêmes de leur vie. Les nomades de Jordanie, qui allaient utiliser pendant les périodes d'hiver des pâturages qui se retrouvent de l'autre côté du trait tout droit qu'on a tracé entre la Jordanie et l'Arabie saoudite, ils ne peuvent plus aller sur ces pâturages. Ils sont réduits aux pâturages, disons, et leurs troupeaux vont crever en masse. Il va falloir qu'ils changent de système. Plus question d'élever du chameau, alors on va se reconvertir dans le mouton. Mais enfin, vous voyez, la pagaille que ça génère dans ce découpage et le fait qu'on impose sur des territoires qui avaient vécu dans un système de type communautaire, sans hégémonie centralisatrice, on les passe dans le modèle à la moulinette de l'État-nation, et ça ne va pas coller. Enfin, dernier élément, c'est une région qui, pendant la guerre froide, va connaître des allégeances multiples, avec, à un moment donné, l'impérialisme britannique qui contrôle à peu près tout le secteur et qui le contrôle et qui le tient à peu près bien. Et puis ensuite, ben, il va y avoir Nasser en Égypte, puis il va y avoir Mossadegh en Iran, et puis il va y avoir des tentatives avec les parties basses de monter du socialisme en Irak, en Syrie, etc. Donc ça devient un enjeu essentiel des conflictualités de la guerre froide. La Turquie forme déjà tampon, puisqu'elle appartient, elle a été intégrée à l'OTAN, mais toute cette zone fluctuante du Liban jusqu'au Pakistan, c'est une zone où, en permanence, on a des revirements, on a des retournements de situation, comme en Iran, avec l'éviction de Mossadegh, le coup d'État organisé par la CIA, qui renverse Mossadegh, réimplante le Shah à la tête de l'Iran et fait basculer le pays dans l'orbite occidentale, alors que l'Irak, après Qassem, va basculer dans le système du Baas, laïque, socialisant, avec un socialisme islamique, si ça peut avoir un sens. Bref, quelque chose qui fait qu'on a des allégeances très fluctuantes. Pensez à ce qui va se passer pour l'Égypte après les années 70, où au début des années 70, l'Égypte est soutenue par l'URSS, et où à la fin des années 70, en reconnaissant Israël, en signant une paix avec Israël, au début des années 80, c'est fini, elle bascule dans une orbite de type occidental. Donc des allégeances fluctuantes qui fait que dans les populations, effectivement, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'essayer de rester à l'écart de ces prises de parti et de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire les structures communautaires, les héritages religieux dont on pouvait disposer.
Alors, la question qui est posée dans ce découpage, c'est en particulier, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée un État kurde? Les Occidentaux avaient envisagé de créer cet État kurde dans le démantèlement de l'Empire ottoman. Il y avait à l'époque à peu près une vingtaine de millions de Kurdes, ce qui en faisait une population importante, mais qui était répartie sur 4 pays différents, la Turquie, la Syrie, l'Irak et une partie de l'Iran. Aujourd'hui, si l'on regarde cette population, on voit qu'en Turquie, l'estimation va de 12 à 16 millions de Kurdes. Pourquoi une fourchette aussi vaste? Tout simplement parce que les Kurdes ont tendance à dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'ils sont peut-être sur le terrain. Et les Turcs ont intérêt à minorer la part des Kurdes pour dire non, non, la Turquie c'est un État peuplé par des Kurdes homogènes, c'est un État... Et les Kurdes, c'est une minorité d'emmerdeurs. En gros, même chose en Iran, avec une proportion moindre, 7 à 9 millions, l'Irak 5 à 6, et la Syrie 2 millions et demi. Mais, en comparaison de ça, il faut penser qu'il y en a 1 million de Kurdes en Allemagne. Alors, l'État qui avait été prévu ne sera finalement pas créé. L'État qui avait été prévu, c'était en rouge au traité de Sèvres, donc tout ce que vous voyez dans l'est de la Turquie. L'Arménie, qui devait être la grande Arménie, qui devait être créée avec les lignes vertes horizontales, est supprimée. Les Turcs reconquièrent la totalité du territoire. Il ne reste plus qu'une Arménie propion sur le territoire de l'URSS. Et vous voyez en bleu les territoires que la Turquie va récupérer sur la Syrie en repoussant sa frontière le long de 300-400 km de zone de contact entre les deux pays. Voilà donc, si vous voulez, un peu cette conflictualité autour de cette question kurde. On a aujourd'hui, malgré tout, une persistance des tutelles externes. D'abord, à travers une malédiction, les hydrocarbures. Il est évident qu'à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui l'a emporté, c'est le pétrole contre le charbon. C'est pas pour rien qu'en 1942, Churchill décide de convertir tout les moteurs des bateaux de la Navy au fuel lourd contre le charbon. On abandonne ça comme moyen de déplacement. Donc, une mainmise sur les hydrocarbures qu'il n'est pas question de laisser partir dans les mains adverses. Et les États-Unis vont jouer là la carte de l'Arabie Saoudite avec un deal. Vous êtes très peu nombreux, vous avez des ressources importantes, nous on a la force, on passe un accord, on garantit votre sécurité en tant qu'État, et votre indépendance en tant qu'État, et vous nous filez le pétrole, vous autorisez les compagnies américaines à exploiter le pétrole d'Arabie Saoudite. Et c'est, si vous voulez, un accord qui va durer jusque dans la période actuelle. Ces mainmises occidentales ont été d'abord la mainmise britannique. Depuis 1908, au moment où on découvre le pétrole en Iran, dans la province de Mossoul, et jusqu'à ce que les Britanniques se fassent éjecter d'Iran, en 1952, à travers les nationalisations que promulgue Mossadegh. Les Grande-Bretagne est incapable de reprendre la main face à la population iranienne. Elle passe le bébé aux États-Unis, qui, effectivement, avec la CIA, remettent en selle le chat, et c'est eux qui obtiennent à ce moment-là une ouverture de l'accès au terrain pétrolier de l'Iran, qui jusque-là était le monopole exclusif de l'anglo-iranienne compagnie et qui désormais est accessible de façon concurrentielle à d'autres compagnies, mais où les compagnies américaines se taillent la part du lion. Et ces États-Unis, en 1945, prennent le contrôle de l'Arabie saoudite et vont jusqu'à la période très récente, de début des années 2000, au moment où ils vont retrouver une autonomie avec les pétroles et les gaz de schiste, vont avoir un intérêt majeur à contrôler cette zone de territoire, pas tellement pour leur approvisionnement comme on le croit. La plus grande partie de leur approvisionnement vient du Venezuela ou vient de la côte ouest africaine. Mais parce que c'est sur ce Moyen-Orient que s'approvisionnent leurs concurrents, les Chinois, que s'approvisionnent les Japonais, etc. Et que le contrôle de ces gisements, c'est d'une certaine façon contrôler la croissance des concurrents et essayer de la limiter. Le contrôle américain sur cette région, c'est le foyer d'approvisionnement de l'Europe, du Japon, plus tard de la Chine, donc ils ont intérêt à avoir un regard très important sur ce secteur. Enfin,
troisième élément, c'est le mythe du nationalisme arabe. Alors, le panarabisme, ça a été un grand rêve que Lawrence a entretenu, qui a continué à se manifester au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à travers Nasser, se faisant promoteur de cette communauté des nations arabes, mais qui va se heurter à une erreur. Il n'a pas vu, et les panarabistes, les partisans du panarabisme n'ont pas vu une chose, c'est que malgré tout, les découpages étatiques qui ont été créés dans cette région, au Maghreb ou ailleurs, n'étaient pas des découpages faits comme ça totalement arbitrairement, et qu'il y a des sentiments d'identité assez forts, et que quand il y a eu par exemple cette tentative de créer la République arabe unie entre l'Égypte et la Syrie, ça a tenu moins d'un an, et ensuite on reprend ses billes, les Syriens se rendent compte que les Égyptiens sont en train de rafler les places, ils sont les plus importants, les plus nombreux, et donc ça c'est quelque chose qui va pas marcher. Et d'autre part, à travers un contre-feu que va monter l'Arabie Saoudite, qui ne veut pas entendre parler de cette nation arabe avec la laïcité, avec le rôle de l'État, avec éventuellement une orientation socialisante, etc., et qui va monter la Ligue islamique à partir de 1972, et qui va essayer de déplacer le problème du pan-arabisme au pan-religieux. Argument très fort, nous sommes les porteurs de la vraie religion, le wahhabisme, et de toute façon, c'est nous qui détenons les lieux saints. Médine et la Mecque, c'est chez nous. Donc l'organisation pèlerinage, ça passe par la façon dont nous, nous organisons, nous allons concevoir cette organisation. Enfin, un dernier point, c'est un abcès de fixation qui est Israël, qui est devenu à l'heure actuelle une véritable plateforme occidentale, un véritable porte-avions américain à l'intérieur du territoire et qui participe d'une alliance totalement étonnante qui pousse à la guerre contre l'Iran, une alliance États-Unis, Israël, Arabie Saoudite. D'accord ? Donc, on est passé de 3,5 milliards à 4,5 milliards de production de pétrole. Et je n'ai que le pétrole, je n'ai pas le gaz naturel là-dedans, hein, ni le charbon. L'Arabie Saoudite a progressé un petit peu, de l'ordre à peu près de 20%, mais vous voyez que USA et Russie ont désormais 1,5 milliard de tonnes à leur disposition. Alors la Russie, sur des gisements traditionnels, mais pour les États-Unis, et ça c'est nouveau, sur le traitement des hydrocarbures non conventionnels, les gaz de schiste, les pétroles de schiste, etc., et qui fait qu'aujourd'hui, depuis quelques années, 2-3 ans, ils sont de nouveau exportateurs de leur propre pétrole. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler du gazoduc Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, parce que ça leur pique un client, qu'ils ne veulent pas entendre parler de production de gaz de l'Égypte ou de Chypre, du bassin méditerranéen, pour aller vers l'Europe, parce qu'ils espèrent bien vendre leur propre production aux pays occidentaux européens. Mais ce qui va redistribuer complètement les cartes, en tout cas qui pose un vrai problème, c'est que, vous voyez, dans le bassin de la Méditerranée orientale, entre la côte égyptienne et l'île de Chypre, on a fait des découvertes majeures à partir de 2012-2014 de gaz, principalement, accessoirement, de pétrole. Ces gisements sont des gisements absolument fabuleux, probablement pour 3 ou 4 siècles de réserves. Ce sont des réserves vraisemblablement, à terme, les plus importantes de la planète, au moins dans ce qui est connu, en dehors de ce qu'il peut y avoir en URSS, en Russie. Et on a commencé à exploiter ces gisements à partir de 2015. Le résultat, c'est que l'Égypte, cette année, va arriver à l'autosuffisance. Elle va couvrir la totalité de ses besoins par sa propre production gazière du gisement de Zohr. C'est le premier gisement que vous avez dans la Méditerranée, en point vert. Alors, on envoie ce gaz, et il est traité dans des usines de liquéfaction, et c'est du gaz liquide qui est exporté par méthanier en direction du reste de l'Europe. Chypre a développé son gisement qui est Aphrodite, et elle vient de signer un contrat, c'est tout neuf, le 19 septembre de cette année, pour que le gaz qui est extrait du gisement d'Aphrodite soit envoyé sur l'Égypte, que l'Égypte le gazéifie dans son unité et que l'Égypte se fasse négociant
du gaz cypriote et de son propre gaz en direction de l'Occident. Ça rebat complètement les cartes de pouvoir à l'intérieur du territoire. Parce que vous voyez qu'il y a une autre zone qui est intéressante, c'est que Israël et le Liban ont aussi, notamment sur Israël, des gisements extrêmement importants. Et la question qui se pose, c'est quid de Gaza et des Palestiniens? Si on reconnaît un État palestinien dont Gaza fait partie, il va falloir recouper effectivement les eaux de la Méditerranée, et les Gazaouis risquent de récupérer une partie des gisements de gaz dans ce domaine. Ce qui réglerait le problème, effectivement, de l'alimentation, non seulement énergétique, mais financière, de l'ensemble d'une Palestine agréée. On ne sait pas comment ça peut évoluer, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, les États-Unis sont vent debout contre l'exploitation et le développement de ces gisements dans ces zones de la Méditerranée orientale. Et alors, évidemment, Dieu dans tout ça. Il faut bien en parler. Parce que c'est de ça qu'on vous parle le plus couramment. Il faut revenir sur le fait que cette région, c'est le foyer du monothéisme tel qu'on le connaît à l'heure actuelle dans ses formes développées. Et la conséquence, c'est qu'il y a une concurrence féroce pour savoir qui a le droit de s'installer à Jérusalem. Les Juifs disent, c'est nous qui avons construit Jérusalem, c'est une ville hébraïque, donc ça nous appartient. Et Trump vient de dire, oui, la preuve, il a accepté le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, alors que jusque-là, la doctrine de l'ensemble des puissances était, tant que le sol de Jérusalem, qui est coupé en deux, dont la partie est est occupée, n'est pas réglé par un traité, on met nos ambassades en terrain neutre, on les met à Tel Aviv. Et il n'y avait pas de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. La décision de Trump a été de dire, si, eh bien nous reconnaissons Jérusalem comme capitale d'Israël, et pour bien montrer ce que ça veut dire, on y transfère notre ambassade. Donc quelque chose là qui est d'une violence extraordinaire, que les Palestiniens n'acceptent pas, mais pas plus les chrétiens, qui se disent, non mais attendez, c'est aussi le Golgotha, le lieu du martyr du Christ, il n'est pas question pour nous de laisser passer ce truc-là, vous ne pouvez pas vous accaparer l'ensemble de la ville sainte de Jérusalem. Et les musulmans répondent derrière en disant, oui mais attendez, dans son grand rêve, Allah est arrivé avec son cheval sur le mont Saf, et donc c'est aussi un lieu saint pour nous, donc il n'y a pas de raison qu'on en soit privé. Donc voilà, vous avez ici un entremêlement de revendications du monothéisme sur un lieu très précis et qui effectivement est un lieu chargé de ces mémoires diverses, conflictuelles, imbriquées là-dedans à travers des épisodes historiques extrêmement violents. Les croisades, pour ne pas les nommer, par exemple. Deuxième chose, c'est que si la formule dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, ce qu'il faut bien voir, c'est que les héritiers de la maison du Père, ils se bouffent entre eux. Les chrétiens ne sont pas capables de définir une doctrine dans ce qui concerne simplement l'exploitation et la mise en valeur des lieux saints. Il y a des conflictualités très fortes là-dedans. Même chose pour ce qui concerne les musulmans, avec les deux grands groupes que vous connaissez, sunnites et chiites, mais qui sont beaucoup plus complexes avec d'autres branches, puisqu'on parle des Houthis au Yémen, on vous dit « Ah, c'est des chiites ». Mais pas du tout, ce n'était pas des chiites, c'est des zaïdites. Et les zaïdites ont été considérés comme des hérétiques, aussi bien par les sunnites que par les chiites. Hein? Exactement comme les ibadites à Oman. À Oman, les ibadites, ils sont tout seuls, il n'y en a pas ailleurs que là. Et ils sont aussi catalogués comme mécréants, aussi bien par les sunnites que par les chiites. Ce qui fait l'affaire d'Oman, qui a une position pépère, elle ne prend aucun parti, elle est une terre relativement paisible, et quand on a besoin de trouver un entremetteur, eh bien, le sultanat d'Oman est là pour essayer de mettre un peu d'huile, de rapprocher les points de vue, d'offrir des lieux de conférence, etc. Donc, vous voyez, faites attention à cette vision très simpliste, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des sunnites de plusieurs obédiences,
avec les Wahhabites, avec les frères musulmans, vous avez au moins entendu de ces deux groupes, et chez les chiites, les diverses formulations qu'il peut y avoir là-dedans, avec par exemple les Alaouites en Syrie, qui eux aussi ont été considérés pendant longtemps comme des mécréants, les Alévis à l'intérieur de la Turquie. Bref, on a différences, si vous voulez, que nous, dans un souci de simplification, on fout tout ça dans le même chaudron, alors que sur le terrain, ce n'est pas aussi évident et aussi simple que ça. Surtout, le religieux intervient comme chaque cache-sexe des intérêts divergents des acteurs locaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour essayer de faire passer son point de vue économique, sa volonté de pouvoir, son hégémonie, rappelez-vous qu'en 1914, à la fois l'Église baptisait les canons français des 75 qui allaient monter au front, et en même temps, les Allemands sur l'Ensart-Turon portaient « Gott mit uns ». Dieu est avec nous. Hein, c'est-à-dire que chacun récupérait Dieu comme un argument dans un conflit qui était un conflit nationaliste. Donc ici, c'est la même chose. Si on peut arguer qu'on a Dieu de son côté, ça donne une légitimité à la revendication qu'on peut avoir, qu'elle soit économique, de pouvoir, politique, etc. Enfin, le dernier élément, c'est ce qu'on a en Occident. La plupart du temps, les interventions des journalistes se terminent par tout ça. C'est un problème principalement religieux. Les chiites sont en train de déséquilibrer le Moyen-Orient à travers la vision hégémonique de l'Iran qui veut constituer un arc chiite avec les chiites d'Irak, avec les chiites de Syrie, avec le Hezbollah au Liban, etc. Je vous rappelle que cette notion d'arc chiite a été lancée par le roi de Jordanie en 2006. Il a été utilisé pour essayer de donner un caractère explicatif à ce qui était des revendications internes au pays, les populations pas contentes. À un moment donné, les populations étaient en pleine ébullition dans ces pays. Et on va le voir 6 ans plus tard, en 2012, dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, peut-être un peu vite, mais où on a vu que les populations en avaient ras-le-bol des dictatures qu'on leur imposait depuis des années et des années, et vont se révolter avec des succès mitigés, voire des échecs complets, où on voit de nouveau des interventions étrangères, comme en Libye, comme en Syrie, etc., mais où le religieux apparaît comme un élément de flemme intellectuelle, c'est facile, c'est des chiites contre des sunnites, c'est un problème de religion, de guerre de religion, donc il vaut mieux s'en tenir à l'écart, ou de toute façon, on n'en sortira pas, il faut voir ce qu'ont donné les guerres de religion en Europe, je vous rappelle la guerre de 30 ans en Europe, a fait disparaître à peu près 30% de la population de la Mitteleuropa, hein, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Pologne, etc. Donc quelque chose où, une fois qu'ils auront fini de s'étriper, ils finiront bien par se calmer. Voilà les répartitions des types de communautés auxquelles on a affaire. En Syrie, vous voyez un bloc qui est le bloc peuplé. Tout ce qui est en blanc, c'est le désert. Hein. Palmyre, c'est au milieu du désert. Le vert, on va avoir ici les populations qui sont à base ethnique arabe, en jaune les Kurdes, quelques Turkmènes qui se promènent dans la nature, quelque part du côté d'Afrin. Il y a les Alaouites qui sont dans le prolongement du Liban, de la montagne libanaise avec l'Attaquié, des Druzes un peu dans cette partie sud qui sont des populations elles aussi musulmanes mais considérées comme hérétiques. Vous voyez sur cette carte la répartition confessionnelle, la population libanaise. Alors là, c'est quelque chose qui est un vrai emboîtage. Alors si on résume, vous voyez que le vert foncé, c'est plutôt dans le sud du Liban, c'est les chiites, au contact avec Israël. Entre Beyrouth et la partie nord, vous avez le violet, c'est la partie qui est la partie plutôt chrétienne maronite. Les sunnites sont au nord, près de la frontière syrienne, et finalement, peu partout, il y a des populations qui sont extrêmement mélangées. Le problème est qu'on ne sait pas combien il y a de populations de chaque obédience, parce que le dernier recensement au Liban a eu lieu en 1932. On n'en a pas fait depuis. Pourquoi? Parce qu'en 1932, la France, pour se tirer les pinceaux d'affaires, a dit « ben voilà, on va répartir l'organisation du pouvoir »
selon la situation confessionnelle des populations de 1932. Et ensuite, au prétexte que tout nouveau recensement risquait de remettre en cause l'accord que l'on avait obtenu, on n'a plus fait le recensement. Donc, à l'heure actuelle, on procède par enquête, estimation. C'est la plus grosse diaspora de population de la planète. On estime qu'il y a entre 8 à 14 millions, vous voyez la fourchette, hein, 8 à 14 millions de Libanais qui sont à l'extérieur du Liban, mais qui peuvent être inscrits sur des listes électorales au Liban. D'accord ? Donc, à l'heure actuelle, à travers cette idée de la répartition tripartite du pouvoir, maronite, chiite et sunnite, on ne veut pas toucher à ça, parce que ce dont on se rendrait vraisemblablement compte, c'est que les chiites, qui étaient dans la proportion à l'époque de 32, à peu près d'un tiers, s'il y avait légitimé ce partage du pouvoir, sont probablement aujourd'hui plus de la moitié de la population libanaise. C'est une estimation, on n'en sait foutre rien. Mais en tout cas, les chrétiens sont beaucoup moins nombreux, beaucoup ont émigré, sont partis, donc ça a diminué complètement leur importance dans, alors qu'ils continuent à être pris en compte dans le partage de pouvoir. Et en Irak, ben là la carte est un peu plus simple. En orange, tout le sud, c'est principalement chiite. En jaune, aux marges du désert, c'est plutôt des Arabes et sunnites. Et enfin, en vert, dans le nord, ce sont les Kurdes. Les Arabes représentent 80 à 85% de la population, et 2/3 chiites et 1/3 sunnites. Or, le pouvoir de Saddam Hussein était essentiellement un pouvoir dominé par les sunnites, c'est-à-dire par la fraction la plus réduite de la population arabe, et qui s'imposait aussi sur les populations kurdes. Pensez au gazage des Kurdes dans le nord l'Irak, au moment de la guerre Iran-Irak. Les Kurdes, de 13 à 18%, à 9/10, eux, ils sont sunnites. Alors voilà maintenant l'emboîtage des conflictualités. Une fois que vous avez vu un peu tous ces éléments qui interviennent dans le chaudron du Moyen-Orient, on va voir les différentes échelles auxquelles ça se passe. Je démarrerai par cette carte, la Syrie nocturne. Deux images satellitaires, une en 2011, la première, celle en haut à gauche, où vous voyez un certain nombre de taches lumineuses plus ou moins importantes. On distingue la vallée de l'Euphrate au bord du désert, des lignes d'oasis en direction de Palmyre, et vous voyez que la population se concentre vraiment dans un bandeau très mince à l'ouest du pays. Regardez maintenant en 2014, la guerre civile a éclaté seulement depuis 2 ans, Daesh vient de s'implanter, il n'y a pratiquement plus de lumière au-dessus de la Syrie. Hein? Ce que vous voyez de très lumineux, c'est le Liban. Vous voyez un peu la capitale, un peu Damas, et puis pour le reste, quelques points lumineux, mais la représentation de la Syrie a changé du tout au tout. Et évidemment, ça se traduit sur le terrain par les déplacements des populations, les destructions des centrales thermiques ou électriques, la déliquescence de l'éclairage public, etc. La première poupée russe, on va partir de la plus grosse, l'intérêt des puissances extérieures qui intervient là-dedans et avec en héritage le grand désordre américain, je vous ai parlé du Nagorno-Karabakh. Effectivement, depuis l'intervention en soutien aux talibans dans les années 80 en Afghanistan, ils ont multiplié les interventions, que ce soit à propos de l'annexion du Koweït, après avoir foutu un feu vert implicite à Saddam, qui a cru qu'il serait couvert par les États-Unis et qui ne comprend pas le retour de bâton qu'il prend sur la tête, à travers la deuxième guerre du Golfe, à travers, après les attentats, l'attaque sur l'Afghanistan pour essayer de venir à bout de Al-Qaïda, et puis à l'heure actuelle, sur l'Irak, pour chasser Daesh, sur la Syrie, pour chasser Daesh, etc. Et maintenant, avec cette idée, déclaration de Trump aux Nations Unies, il faut arriver à monter une coalition pour faire la peau au régime iranien. C'est-à-dire, le problème, c'est plus de savoir si les Iraniens vont rester en Irak ou au Liban par l'influence interposée, c'est faire tomber le régime des Mollahs. Il a été très clair, c'est quelque chose, alors ça fait hurler évidemment les diplomates qui disent « mais attendez, ça ne fait pas partie des règles qu'on avait adoptées ». Donc quelque chose qui est marqué par un autre point, la rhétorique du dualisme. Il y a d'un côté les bons et de l'autre il y a les méchants. Et évidemment, les bons,
c'est ceux qui sont de notre côté, les méchants, c'est ceux qui sont de l'autre côté. Et si vous changez de côté, vous renversez la proposition. Bref, lire le monde en termes de bons et de méchants, je vous rappelle que ça a été lancé par Nixon au début des années 80, quand il a qualifié l'URSS d'empire du mal. Hein, c'est-à-dire qu'on voyait apparaître là, non plus une notion de rapport de force, une notion politique. Le socialisme, c'est un échec, le communisme, ça mène finalement à la débandade ou autre. C'est le mal incarné. Et quand il parlait de l'empire du mal, c'était avec un E majuscule et avec un M majuscule. Quelque chose qui se développe aussi bien en Chine qu'en Turquie à l'heure actuelle avec Erdogan, que des tentations que l'on peut avoir à l'heure actuelle chez Orban, par exemple, en Hongrie. Donc, un dualisme qui témoigne d'un souverain mépris des peuples. Le point important, c'est de voir que si on a assisté jusqu'à un épisode récent à un repli des États-Unis, qui s'était plutôt, avec Obama, tourné vers le Pacifique, vers la relation d'arbitrage de leadership et de non-conflictualité entre États-Unis et Chine, Trump, à travers son isolationnisme, va revenir à quelque chose qui est l'absence complète de concertation internationale. Il y a moi et il y a les petits oiseaux. Donc quelque chose, si vous voulez, qui fait que dans cette espèce de vide, on assiste à un retour de la Russie. Le retour de la Russie, si vous voulez, mais que je mentionne ici comme quelque chose qui est contre le réel. La Russie, en termes de population, c'est pas l'URSS. L'URSS, c'était 350 millions d'habitants. La Russie, aujourd'hui, c'est 140 millions d'habitants maximum. Une population en déclin. On estime qu'aux environs de 2030, il y aura à peu près 120 millions de Russes. Donc, quelque chose qui est dans le déclin. Une économie qui ne parvient pas à fonctionner. Elle vit, elle est essentiellement rentière du pétrole. 80% des recettes de l'État russe proviennent du pétrole. Pour les biens de consommation courants ou élaborés, ben on fait appel aux Chinois, hein, aux autres marchés, mais il n'y a pas quelque chose, si vous voulez, qui assiérait une puissance véritable de la Russie. Alors qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'arme atomique et une puissance militaire qu'elle essaye de montrer. Pensez à ces grandes manœuvres en Sibérie avec 350 000 hommes engagés dans ces grandes manœuvres. Mais il y a quelque chose qui me paraît être plus un affichage de la puissance que quelque chose soutenu et étayé par une puissance réelle en arrière. Et enfin, un nouveau venu, la Chine, dans la région, mais qui avance un tout petit pas, et qui avance sur un autre terrain, la route de la soie, le collier de perles. C'est-à-dire, on va faire du négoce, on va vous ouvrir des voies ferrées, on va vous ouvrir des autoroutes. En Iran, en ce moment, on est en train de tracer des grandes voies ferroviaires pour accéder à des ports sur l'océan Indien et désenclaver par l'intermédiaire de Turkestan et l'intermédiaire Xinjiang, les produits chinois pour les évacuer en direction de l'Iran dans les ports et les éclater tout autour de l'océan Indien, voire de les faire revenir en Europe. Donc quelque chose, si vous voulez, où la Chine intervient, et intervient à juste titre, parce que pour son pétrole, elle a besoin du Proche-Orient. Vous voyez tout à l'heure ce que je vous disais par rapport à la présence américaine, la Chine a passé le maximum de sa production pétrolière aux environs de 2002-2003. Elle est montée à 225 millions de tonnes de pétrole par an, et elle est aujourd'hui sur le déclin. Elle est encore un peu au-dessus de 200 millions. Elle est donc dépendante de ses importations d'hydrocarbures. Alors, évidemment, elle a la possibilité de s'approvisionner sur la Russie, sur le Kazakhstan, le Turkménistan, qui est un gros bidon de gaz à disponibilité, l'Iran pour le pétrole, et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, avec la France, avec la Grande-Bretagne, avec la Russie, on essaye de trouver une combine pour éviter les contraintes de Trump sur les rétorsions à partir des mesures d'embargo qu'il veut créer pour pouvoir continuer à permettre à l'Iran de vendre son pétrole et l'exporter, parce qu'à la fois on en a besoin, mais surtout, alors pas la Russie, mais la Chine en a besoin. Et elle tient effectivement à mettre en place un système qui permette d'éviter à la fois les sanctions et en même temps de permettre à l'Iran de rester dans le jeu économique. Après ce jeu des grandes puissances, on descend dans un cran, on ouvre la deuxième poupée russe,
Et on va avoir, si vous voulez, les rivalités régionales pour le leadership. Et pour ottoman de la Turquie, c'est-à-dire cette idée que l'Empire ottoman dominait l'ensemble de ces régions, et finalement, la Turquie d'Erdogan entend remanifester son leadership sur toutes ces régions, avec des lots de contradictions. Pendant un temps, au début, Erdogan était plutôt allié de la Syrie jusque vers 2008-2010. Et puis, les choses se sont gâtées. Bon, c'était un accord un peu circonstanciel, parce que les Syriens ont toujours, à travers la gorge, le fait que, dans les années 20, les Turcs, leur ont piqué à peu près 30 à 40 km de bandes frontalières le long de leur frontière nord, et surtout que les Français, en 1939, pour espérer que la Turquie ne rentrerait pas en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie, pour laquelle elle avait quand même des sympathies, leur ont donné, cadeau qui ne coûte rien, c'était un territoire de la Syrie, leur ont donné le Sanjak d'Alexandrette à la Turquie. Et les Syriens n'ont pas touché une bille, on ne leur a pas demandé leur avis, hein. On l'a donné, et depuis, c'est une zone frontalière qui est toujours discutée. Les Syriens ne reconnaissent pas cette annexion du Sanjak d'Alexandrette par la Turquie. Donc, des conflits importants avec les Kurdes. C'est bien beau de vouloir dominer l'ensemble régional et exercer un leadership, mais il faudrait pouvoir aussi régler les rapports avec les Kurdes. À la fois les Kurdes intérieurs, le PKK à l'intérieur de la Turquie, mais aussi avec les Turcs des autres régions, et notamment les Turcs de Syrie, qui sont un élément fer de lance contre Daesh et contre Al-Qaïda en Syrie. Alors, puis avec Israël. Pendant longtemps, ils ont des accords, depuis 1952, des accords de défense et de coopération militaire avec Israël. Donc, si vous voulez, c'est une vieille histoire de cette entente. Mais à travers la question de Daesh, à travers la question des Palestiniens et du refus de la création de double État palestinien, la Turquie vit une véritable schizophrénie. Les Turcs, dans leur ensemble de la population, sont plutôt favorables aux Palestiniens et sont donc au minimum pour une solution à deux États sur le territoire de l'ancienne Palestine. Mais en même temps, Israël ne l'accepte pas. Donc quelque chose, si vous voulez, où les tensions s'amplifient entre les deux pays. Et deuxième grande ambition des leaderships régionales, c'est l'Iran. L'Iran, dont je vous rappelle que c'est une population qui n'est pas arabe, mais qui est une population majoritairement perse, c'est-à-dire indo-européenne et non pas sémite, avec des minorités sur le territoire. Et en particulier, cette ambition perse de l'Iran est liée au fait que pendant la guerre Iran-Irak, ils se sont retrouvés isolés et seuls. Comment ? Parce que c'est l'Irak qui a attaqué l'Iran. Ça, il ne faut pas l'oublier, on a tendance à croire que c'est l'inverse. Non, c'est l'Irak qui a essayé de s'emparer du Jebel arabe contre un accord qui avait été signé en 1975, 5 ans avant. Hein, donc, en se disant, la révolution islamique, ça fout la merde dans le pays, on en profite, on s'empare du Jebel arabe, et ils ne sont pas en état de toucher une bille. Sauf que la guerre va s'enliser très rapidement, ça va être une hécatombe, c'est leur guerre de 14-18, sauf qu'elle va durer 8 ans, mais pas 4 ans, et qui se solde par un retour sur la case départ, c'est-à-dire chaque État reprend les positions qu'il avait avec, en prime, ses morts, ses handicapés, etc. C'est le moment de prendre sa revanche, et surtout de s'appuyer sur la population majoritairement arabe, certes, mais chiite. Et vous voyez comment le religieux revient comme un cache-sexe des intérêts de puissance. Parce que ce qui est remarquable, c'est que pendant la guerre Iran-Irak, alors qu'il y avait les deux tiers de la population irakienne qui étaient chiites, il n'y a pas eu de désertion massive de chiites irakiens pour passer du côté de l'Iran. C'est la notion nationale, étatique, créée de longue date pour l'Iran, créée plus récemment pour les États arabes, qui l'a emporté sur les obédiences religieuses. L'Arabie saoudite, qui elle aussi entend jouer sa partition et qui veut être la puissance régionale, elle en a les finances, elle est la tête de ligue de la Ligue islamique, elle détient, elle se considère comme au cœur de l'Oumma, de la communauté des croyants,
Elle détient les lieux saints et elle propose à l'ensemble des musulmans le salafisme comme véritable doctrine pure de la religion musulmane, tout le reste étant des avatars, des avatarissements, etc. D'où une conflictualité très forte avec l'Égypte, où ce sont les frères musulmans qui dominent, ou avec la bande de Gaza, où là-dedans, c'est aussi les frères musulmans qui sont à la manœuvre, alors qu'au Liban, le Hezbollah, c'est plutôt les chiites soutenant l'Iran. C'est l'Arabie saoudite, et qui vise à cet impérium régional à partir des ressources financières dont elle dispose et de l'alibi qu'elle a de la bonne, de la vraie, de la seule religion. Autre élément de tension, c'est avec le Qatar. Alors ça, c'est plus rigolo comme situation. Parce qu'avec le Qatar, l'affrontement avec l'Arabie saoudite, c'est un problème de leadership au point de vue intellectuel. Le Qatar, qui n'avait pas de ressources importantes, pétrolières, un peu de ressources gazières, a cherché à développer tout de suite d'autres activités. L'activité de port, de centre de redistribution, et surtout, essayer de jouer de l'influence avec sa chaîne Al Jazeera. Et donc, c'est devenu, si vous voulez, une chaîne d'information ouverte, on ne va pas dire libre, indépendante, mais enfin, qui a donné une bouffée d'oxygène dans l'ensemble des pays arabes. Et en conséquence, ça ne plaît pas du tout l'Arabie saoudite, qui est dénoncée en permanence. Parce que, pour l'Arabie saoudite, le fondamentalisme qu'ils soutiennent, c'est celui du wahhabisme, donc à travers le salafisme, donc cet accord au XVIIIe siècle, entre Al-Wahhab et la dynastie des Séouds. Nous, on s'occupe de religion, vous occupez des épées, et on fait une alliance, on se soutient, c'est la religion d'État. Et le Qatar, lui, qui est plutôt affilié aux frères musulmans, à ceux qu'on a en Égypte, dans la filiation d'Albana. Et donc, finalement, le Qatar est perçu comme une menace par rapport à l'Arabie saoudite. Alors, la tension est forte, il n'y a pas photo en termes de population. Mais l'Arabie a trouvé une ruse que je vous livre là-dessus. Ils ont proposé, il y a maintenant à peu près 2-3 mois, de construire un grand canal international qui coupe la base de la péninsule du Qatar. Canal international, ça veut dire au moins 250 mètres de large, 25 mètres de profondeur, pour y faire passer des pétroliers géants. Avec comme argument, ça va raccourcir la route pour aller du Bahreïn ou du Koweït en direction des ports des Émirats. Ouais. Un avantage, ça fait du Qatar une île. Parce que si on en fait un grand chenal de communication maritime, pas question d'y mettre un pont. Et donc, le Qatar se retrouve complètement coupé de ses liaisons routières d'approvisionnement ou de redistribution, puisque c'est un emporium qui redistribue les marchandises, en particulier vers l'Arabie par la route. C'est fou. Ensuite, il y a des clivages à l'intérieur de la nation. Des revendications à base ethnique. Par exemple, le problème de la population kurde. Mais qu'est-ce qu'on fait des Kurdes? D'abord, parce que les Kurdes, c'est bien une population qui est issue du même rameau. C'est un rameau indo-européen et qui parle une langue qui est une langue apparentée aux Perses, aux Persans. Mais qui sont pas chiites, qui sont sunnites, majoritairement, et qui surtout, comme c'est une population qui vivait en situation de refuge dans les montagnes, ont des dialectes assez différents et il n'est pas possible d'unifier les Kurdes, chacun ayant son chef local, les Kurdes irakiens ayant mené des attaques contre les Kurdes iraniens il n'y a pas si longtemps, les Kurdes de Turquie ne veulent pas reconnaître les Kurdes d'Iran, bref, quelque chose qui est une pagaille monstrueuse qui fait que l'utopie qu'il y avait eu en 1918-1920, de créer un grand État kurde est plus éloigné que jamais, et à l'heure actuelle, la seule proposition, c'est d'arriver à reconnaître les droits de citoyenneté des Kurdes à l'intérieur des territoires où ils sont, quitte à faire jouer des marges d'autonomie à l'intérieur sur une structure de type fédéral, donc qui n'est pas incompatible avec la reconnaissance d'un État-nation. Irak, Iran, Turquie, et Erdogan est en train de trouver une astuce absolument terrible avant les élections de 2019. Il envisage
d'accorder, comme les Syriens qui vivent chez lui sont très peu nombreux, à peine un dixième, dans des camps de réfugiés aux mains du HCR, soutenus par le HCR, les autres se sont diffusés dans la population. L'idée d'Erdogan, c'est que pour ces Syriens qui sont là sous réserve de leur qualification, etc., on pourrait leur accorder la nationalité turque. Et vous voyez ce que ça fait. 1,5 million à 1,7 million de Syriens nationalisés turcs qui vont devoir ce cadeau à Erdogan et à l'AKP. Ils vont voter pour qui? Ils vont voter pour l'AKP à partir de 2019. Et donc là-dedans, les minorités, notamment les Alevis en Turquie, disent « Mais attendez, on n'est pas d'accord, nous, avec un truc comme ça ». Et les Kurdes ne sont pas d'accord non plus, parce qu'effectivement, 1,7 million sur l'ensemble du corps électoral de la Turquie, c'est très peu de choses. Mais il y a des régions, il y a des villes, notamment dans le sud-est, qui est le plus proche de la frontière syrienne, où là, on peut avoir des majorités qui vont complètement changer et modifier absolument la carte électorale de la Turquie. Enfin, les revendications à partir du genre, et notamment un machisme épouvantable dans ces sociétés. Vous avez vu comme quoi ça a été considéré comme une grande victoire. Les femmes en Arabie vont pouvoir conduire sans passer par un chauffeur. Mais attendez, vous avez regardé les femmes qui conduisaient, celles qui avaient les voitures. C'est pas le sort de toutes les femmes. C'est une petite minorité qui va pouvoir conduire. Ailleurs, c'est le règne du tchador en Iran, par exemple, même si les filles essayent de plus en plus de repousser la limite du foulard en arrière du front, essayent de faire des manifestations en jetant les foulards par-dessus les moulins, on a toujours ce système de domination machiste. Et qui, ici, j'insiste trop souvent, on l'associe en disant « ça c'est le problème de l'islam ». C'est quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave. C'est une structure qui remonte au néolithique, qui a été parfaitement étudiée par Germaine Tillon, qui est une ethnologue, anthropologue, qui a travaillé sur les Aurès et sur le bassin méditerranéen, qui vient de rentrer au Panthéon, et qui a travaillé sur la société des cousins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, où on passe à l'agriculture sédentaire, le mariage préférentiel, c'est le mariage avec les cousins. Comme ça, il n'y a pas à redistribuer la terre, ça reste dans le clan, ça reste dans la famille. Et la chose étonnante qu'il y avait à l'expo photo d'Arles, il y avait un tableau, toute une salle d'exposition qui était consacrée à la situation des Palestiniens, et notamment des gens de la bande de Gaza, dont des membres de la famille avaient émigré aux États-Unis. Il y avait un grand arbre généalogique à l'entrée de la salle, sur 5 générations, et on voyait les mariages. Eh bien, les mariages, pour la majeure partie des gens, étaient des mariages avec les cousins. Et Germaine Tillon montrait que ce système valait aussi bien pour le sud de l'Europe catholique, la Sicile, etc., que pour le monde arabe, que pour les Aurès, où c'était les Kabyles, que c'était le même système. Dans ces endroits où la terre est rare, où la maîtrise de l'eau limite la capacité de disposer d'un espace agricole, il ne faut surtout pas en perdre une miette en allant le disperser dans des mariages au nom de l'amour que l'on se porte, de la découverte qu'on a là, tu te marieras dans ma famille, ma fille. Les enjeux locaux, c'est-à-dire deux approches de la sociabilité. D'une part, en fonction de ce que je viens de dire, le système d'une solidarité clanique. On est apparenté à un clan et on le respecte. Et ce qui a été, si vous vous souvenez de cette affaire au Liban à un moment donné, où quand le général Aoun revient sur le devant de la scène, c'est un chrétien. Et il va aller s'associer avec des clans qui sont des clans pro-syriens. C'est un panier de crabes, c'est-à-dire que là, même la religion n'est pas importante, ce sont les obédiences qu'on a à un clan qui vont prévaloir. Et évidemment, là-dedans, pas question de faire valoir les revendications de la personne. J'aimerais faire ceci, j'aimerais m'émanciper, j'aimerais avoir ce type de relation. Non, non, on reste dans le clan, on est rattaché au clan et on subit, du coup, la loi du clan. C'est pas question d'aller se promener dans la rue, de faire n'importe quoi, on reste sous le contrôle du chef de clan. C'est la négation de la ville et de l'urbanité. La ville est effectivement un lieu, par définition, de civilité, d'urbanité. D'accord ?
L'urbanité, c'est cette politesse exquise que l'on a en rencontrant des gens qu'on ne connaît pas dans la rue d'Igide. Eh bien, oui, l'urbanité, c'est quelque chose qui est associé au mode de développement de la ville. Eh bien là, il y a des agglomérations, on va dire par commodité des villes. Mais en fait, ce sont des agglomérations ségrégées. Je vous ai dit, en Jordanie, à Amman, entre les quartiers anciens peuplés jordaniens, jordaniens sédentaires, l'essentiel de la population jordanienne était nomade, bédouine, et d'autre part, les quartiers qui sont les quartiers occupés par les Palestiniens. Troisième élément, c'est le pouvoir des milices. Alors, au nom des martyrs, au nom du pouvoir de la Kalachnikov, toutes les bandes locales ont levé des milices, et vous avez des chefs. Alors là, c'est même plus des chefs de clan, c'est des chefs de guerre. Il n'y a pas d'autre loi que la force du gars qui a organisé la milice au clan local, qui a fait obédience à tel groupe militaire, à tel autre groupe, il en a reçu des armes, il a reçu des munitions, etc. Mais une fois qu'il est sur place, il nomme dans la ville ou dans la petite région qu'il contrôle, c'est lui qui assure la nomination des personnes qui vont gérer la situation et pas du tout le pouvoir central. Le résultat, c'est que tout ce qui circule comme argent, que ce soit de la part des organisations internationales de soutien, les ONG, que ce soit le HCR, que ce soit les fonds publics de l'État, ça atterrit dans les poches des responsables des milices. Vous êtes implanté dans une ville, vous avez la force, vous avez les armes, Daesh est parti, l'État n'est pas arrivé avec son armée et sa police, vous décrétez que les commerçants doivent vous payer une patente de 10%. C'est un racket intégral en ce moment sur les populations. Et enfin, une difficulté majeure pour l'avenir, c'est la déscolarisation massive des enfants de toute une génération. Depuis que les États sont en guerre, depuis l'Irak 2000 jusqu'à la Syrie à l'heure actuelle, il y a toute une génération qui est passée à la trappe. Exactement comme la révolution culturelle avait fait passer à la trappe toute une génération en Chine. Et on en a vu les effets. À un moment donné, ben, ces gens-là, ils ne sont pas intégrables, on ne sait pas quoi en faire, ils sont marginalisés. Et ils peuvent aussi bien fournir une piétaille pour des aventures de type attentat, suicide, etc., que finalement être non récupérables et se retrouver dans la rue à faire la mendicité. Alors, les clés pour la paix, et ça sera ma conclusion, la fin des tutorats, ça paraît évident, tant que les grandes puissances auront des intérêts et qu'elles voudront continuer à maintenir leur tutelle sur les États qui sont là, on n'en sortira pas. Deuxième après, le retour des exilés après la situation de paix. C'est un doux rêve, c'est une utopie. Les Palestiniens attendent depuis 1949, avant que les Syriens puissent revenir chez eux. Les Irakiens ont du mal à y rentrer. Vous imaginez ce qui va se passer. Mais pourtant, il ne peut pas y avoir d'autre situation, d'autre solution, que de permettre le retour des populations qui ont été déplacées par la guerre, par la violence. L'acceptation de la diversité. C'est-à-dire accepter que on soit différence, l'altérité. Tu veux te coiffer comme ça, tu veux garder ton tchador, garde ton tchador, moi j'en veux pas, etc. Tant qu'il n'y aura pas cette reconnaissance de l'altérité, cette reconnaissance et cette acceptation de la diversité, on ne s'en sortira pas, on va voir les États s'enquister dans des formes à travers l'épuration ethnique. Alors on sait ce que ça a donné, ça s'est passé dans les Balkans, dans l'ancienne Yougoslavie, ça s'est passé dans d'autres États, et à l'heure actuelle, la tendance dans tous ces pays, c'est à faire disparaître ce qui est la diversité. On entend souvent parler des chrétiens qui ont pratiquement disparu d'un des foyers où ils étaient quand même très importants. Les premières églises ont été des églises de rite syriac. La première église fondée, c'est l'église arménienne. Il n'y a pratiquement plus de représentants de l'église arménienne, des églises syriaques, etc. C'est quelque chose qui se réduit par l'exode et le départ. Et enfin, accepter de faire passer du droit des clans à un droit égal pour tous, c'est-à-dire à un droit de l'État. L'État est le garantant et le garant de la personne, et tant qu'on n'acceptera pas que l'État ait une loi qui soit supérieure à l'ordre des clans, bon, on continuera à avoir les meurtres, par exemple, dits d'honneur. C'est fini.